Coucou les choucrouloutes, ici Lopina pour l'épisode numéro 200. Non, n'importe quoi. Ah, 200, oui. Bon, bah, je m'avance un peu. Hein. L'épisode numéro 124 du 100 Baby Challenge. On est toujours à 50 mouflets parce que je me démerde comme une grosse merde avec les bambins triplés qui sont géniaux. Et ben, on va y aller, hein? On va essayer de les finir parce que j'en ai un peu ras le cul. On se retrouve dans le jeu. Et nous voici donc dans le jeu. Le jeu. Alors, les ados vont aller à l'école. Est-ce que je leur ai fait leurs devoirs? Je sais même plus. Oui, c'est bon. Bon, alors, ils n'ont pas de compétences. C'est génial. Si, je crois que... Oui, lui, il a le jeu, les jeux vidéo. Ils ont faim. Mais il n'y a pas le temps de manger, les gars. Ah, ils sont encore endeuillés, hein, évidemment, parce que... on ne sait qui est mort. C'est génial, cette nouvelle mise à jour. On adore. Non, non, on va pas te faire à manger. Viens là. Voilà, jouer aux jeux vidéo tous les deux. Rejoins la partie. J'espère juste que la console ne va pas rebugger. Comme ça, ça monte le divertissement et ça leur monte des points surtout. Mais rejoins la partie. Mais non. Toi, rejoins une partie. Mais c'est... Ça fait même pas une minute que je tourne, ça me casse déjà les couilles. Pourquoi ça bug, sérieux? Et si je mets la console ailleurs? Ça me casse les couilles. On va la foutre là, hein, je sais pas moi. Allez, on y croit. Clic. Merci. Jouer à Frénésie des Fêtes avec Samy. Voilà, Natsume Samy jouer. Là, c'est bon. Ah ben non, il y en a qu'un qui joue. Ah, c'est bon. C'est bon. J'ai cru que j'allais péter une durite là. Péter un boulon, péter une durite, péter un cake. Vas-y, Lancia, note-les. C'est pas de moi, hein, ceux-là, par contre. Mais tu peux les noter. Oh my god. Mais attends. Lire une histoire à Miss Panda pour l'endormir. Oui. C'est ce qu'il a fait il y a déjà 5 heures. Dites. À chaque fois que je vais faire une action, ça va bugger ou... Ça va bugger mon Sims ou ça se passe comment? Non, parce que là, Là, je pense que si j'étais un homme, je serais castrée, tellement ça me casse les burnes. Donc du coup, bah, je suis devenue stérile, en fait. Ça m'a pété les ovaires, leur connerie. Eh bien, en fait, il y a une explication, mais très simple. Bah, c'est cool, c'est génial. Donc il est bugué, lui aussi. S'il vous plaît, les créateurs des Sims, je sais que vous m'entendez pas, que vous regardez pas mes vidéos parce que je suis beaucoup trop vulgaire, mais please, remettez les codes. Remettez les codes, enfin remettez au moins le Reset Sims là que vous avez désactivé parce que c'est triste. Ou alors réglez tous les bugs de votre jeu. Ça peut être aussi une option. D'ailleurs, c'est peut-être mieux. C'est mieux que le Reset Sims, au final. Mais le Reset Sims, c'est bien en attendant que vous ayez résolu les bugs, parce que ça se résout pas en deux clics. Je le sais. Je le sais, il n'y a pas de problème. Mais s'il vous plaît, arrêtez de faire des add-ons, des kits et tout le bordel pendant un certain temps et résolvez vos bugs. Parce que là, c'est pas possible. C'est... Ça coupe un peu l'envie de jouer, je dois avouer. Ça blase un chouïa. Comment vous dire ça me gave. Voilà. Ça, c'est dit. Il en reste un. Super. J'espère que c'est pas gâté. Je suis sûre que c'est gâté. Putain, nique ta mère le plat. Ok, donc il n'y a vraiment plus rien à bouffer. Bah écoute, Miss Payette, c'est pas grave, hein. Ta faim t'attendra parce que c'est pas l'heure. Voilà. Il n'y a pas de groupe d'activés là pourtant. Attendez, il faut qu'ils révisent assidûment eux. Non, non, il n'y a pas de groupe activé. Enfin, tout va bien. Il n'y a pas de raison qu'il y ait des bugs. Donc, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui se passe. Je ne sais pas pourquoi ça le fait.
Mais en tout cas, ah oui, alors ça c'est bien aussi. Regardez, on est à Poudlard, les plats flottent dans les airs. Ok, c'est génial. Mais qu'est-ce que je suis censée faire, moi? Ça m'énerve. Bon. Épisode. Elle a pris la compétence. Oui. Oui, Payette, tu es mon génie. Je les ai toujours pas relookés, j'ai toujours rien fait. Bon, après on va rusher le pot, hein. Ah, oh, merci Payette. Heureusement que tu es là, tu relèves un peu le niveau, tu me donnes un petit peu Oh, Didi, tu vas très bien. Ça, c'est très cool. Du coup, tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu vas rusher. Tu vas rusher comme un gros porc. Tu vas rusher, tu vas rusher, tu vas rusher! Ah, ça va mieux. Bon. Et toi, oula, toi, t'as grave la dalle par contre. Viens manger, Miss Pand. Qu'est-ce que c'est? Objet, faites des récoltes. Hein? Ça va où? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il faut faire? Vous croyez que j'ai le temps pour faire la fête? Commencez demain. Ah non, commence demain. Oui, mais je m'en bats les couilles. On s'en bat les couilles. Voilà. On s'en carre le coquillard. Non, il faut que tu attendes que Miss Panda se serve. Les jardiniers servent à rien, vous avez remarqué. Je sais pas si vous avez remarqué. On va tout vendre. Va tout vendre, Pierre. Bon, il a l'air bugué, mais pas trop, donc ça va. On va pas trop rager pour le moment. Il a perdu du bide, non? Il avait plus de bide avant. Parce qu'il avait le dos un peu cambré, du coup ça faisait ressortir. Pourquoi t'as perdu du bide, Pierre? Pierre! Comme si elle allait me répondre, tu sais. Oh, qu'est-ce que je suis con, putain. Bon. Bah oui, bah va manger, petit boudin, là. Voilà. Bon, c'est bon. Allez, hop. Next. Et du coup, toi, tu vas ranger ça après. Voilà. Bon, il est en train de vendre ses fruits, lui. C'est bien. Il fait trop rire avec son quel but, là. Ah, on a croisé la bonne. Elle n'a pas aimé. Payette va rusher le pot. C'est parfait. Toi, tu manges et tu rusheras les jeux. Donc, tu vas faire la réflexion, hein, écoute. Voilà. Oh, en plus, elle est bientôt au niveau 3 en réflexion. C'est cool. Et toi, Didi, t'en es à 6, 56. Ouais, la moitié. Bon, ça va. Allez. Allez, on y croit. On y croit qu'à cet épisode, je les ai là parce que ça commence un peu à me courir sur le haricot. Le haricot. Courir sur le haricot. J'adore cette expression. Franchement, les vieilles expressions, c'est tellement drôle. Attention, hein, tu commences à me courir sur le haricot. Qui utilise ça, quoi, de nos jours? C'est trop drôle. C'est une grogne. Bon, Pierre, écoute. Pierre, tu écoutes? Ok, je suis un perroquet. Tu vas faire à manger. Tu vas faire plein de bouffe. Plein, 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 plein. Plein, 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 plein. Plein, plein, plein de bouffe. Plein de bouffe. Je pense que c'était important de pousser la chansonnette. Oui. Gâteau au miel. Trop bien. Bah oui, il y a les abeilles maintenant. Mais ça, c'est trop cool. Je vais tester. Je vais tester. Je veux tester parce que j'ai rien testé des saisons au final, à part vite fait. Bon voilà, il fait à manger. Non, ça, je refais une salade du jardin. On va faire autre chose de plus élaboré quand même. Du coup, on l'insalade du jardin, manger de l'insalade, voilà. Je sais pas pour vous, mais bouffer de la salade pour ma part. Enfin, que de la salade. C'est encore, c'est si c'est une salade avec, je sais pas moi, des tomates, d'autres trucs, mais si c'est juste une pauvre salade. Ouais. T'as intérêt que la vinaigrette soit bonne parce que sinon, on m'invite pas. Hein. La meuf. Bon. Écoutez, ça avance tranquillou gilou. Ils sont trop mignons. Bon, ils sont mignons quand même. Ils sont chiants, mais ils sont mignons. Ils sont mignons. J'essaye de me consoler comme je peux, donc. Oh, regardez, allez bientôt. Oui! Mon deuxième petit génie! Vas-y, on te regarde. Oui! Vas-y, Miss Panda, vas-y! Arrête de bugger le jeu! Donne-moi les 3 points! Allez, le pot maintenant! Allez, 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 allez! Oui, bon, je pense que tu vas pouvoir refaire un coup, toi.
Dersimer a très faim. Tu peux attendre juste un tout petit peu, Dersimer, s'il te plaît. Il est parti où? Ah non, il est là. Tu. Bah mange. C'est bien le petit. C'est bien, Didi. C'est bon, il est parti bouffer, tant mieux. Pierre, il fait sa potence là, sa potence, sa pitance. Sa potence. Pierre est en train de préparer la potence pour se pendre. C'est horrible. My God, on ne rigole pas de ça. Oh, puis si, on rigole de tout. Allez, fuck you. Fuck you. Nanana nanana. Nanana nanana. Pardon. Je me suis un peu enjaillée, j'avoue. Bon, allez, vous faites vos deux. Non, mais. Natsume, tu m'expliques? Ah, c'est trop un beau gosse, putain. Attendez, je prends mon téléphone. Ah, c'est trop un beau gosse, t'as vu? Duckface! Duckface! Les filles, elles kiffent! Regarde mes muscles! Regarde mon gras! Ok, on ne jugera pas. Trop tard. Oh my god. Très bien. L'école est finie. Oui, ben c'est bien. Allez, tu y es presque, ma petite paillette. Vas-y, fonce. Tu es mon espoir, mon chef-d'œuvre. Tu es ma préférée. Voilà. En fait, à chaque fois qu'il y a des triplés, des jumeaux, il y en a un, c'est mon préféré parce qu'il apprend un peu plus vite que les autres. Donc là, pour cette portée-là, c'est toi ma préférée. Sache-le. Même si ton pseudo est toujours écorché parce que j'ai toujours pas modifié. Ce sera modifié la prochaine fois, ne t'inquiète pas. Allez, vas-y, pousse! Pousse! Tu vas la voir! Oh non, ça a bugué. Oui, c'est fini, c'est fini, ça y est, c'est fini. C'est fini. Pardon. Oh. Allez, retourne jouer avec les cubes, toi. C'est bien parce qu'il a bientôt fini aussi, le petit Didi. Et après, il va rusher le pot avec sa sœur. C'est tellement dégueulasse quand il pense ce que je fais, là, mais bon. Tant pis, c'est des Sims, je vous rappelle. Hein. Bon. Allez, vas-y, Didi. Oui, vas-y, Didi. Didi! Avec ton beau taxi. Wimp, wimp, wimp. En avant, oui. Oui. C'est bon, il a le niveau 3. Yus! 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 Ok, bon, ça c'est cool. Et regardez, elle est déjà au niveau 2 en imagination. Est-ce que c'est pas notre enfant prodige? Oui, je crois bien que c'est lui. Ok, tu refais le pot. Allez, refais le pot. Dépêche-toi, tu y es presque. 90, 91, 92, 93, 94. Allez, encore. 95, 96. 99, 100, allez le jeu, allez le jeu, le jeu s'il te plaît, donne-moi le point, donne-moi le point, donne, mais pourquoi? Ma vie est nulle. Mais non, il a reculé, nique ta mère le jeu, nique bien ta mère profond. Oh c'est bon, allez hop, joue à la poupée. Alors, Pierre fait des recherches sur la plante fraisier. Pierre a vraiment pas de vie. Voilà, vous savez tout. C'est bon, donc il aura juste l'imagination. Oh, qu'est-ce que c'est cool. Vas-y, rejoins, joue avec ta sœur. Mais c'est con parce qu'elles jouent toutes les deux, tu sais, mais ça monte pas le social. La logique est présente. Allez, mon petit Didi, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu y es bientôt. T'es à 62%. C'est pas si mal. Peut-être que à la fin de cet épisode, il y aura un anniversaire. Qui sait? Enfin, trois anniversaires du coup, mais vous avez compris. Ouh là là. Ouh là 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 là, tout ça va pas du tout, ça va pas du tout, ça va pas du tout. Samy, va uriner, mon petit Samy. Et Natsume, ah bah oui, bah, ça va pas du tout non plus. Hein, ça va pas. Le pauvre. Allez, et prends les restes aussi. Évidemment, ça ne va pas marcher parce qu'ils vont y aller en même temps et machin, et c'est chiant. C'est bon, vas-y, 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 vas-y. Voilà, comme ça, l'autre, il se lave les mains, il met trois plombes et ça te laisse le temps d'ouvrir le frigo. Vas-y. Oui, on a bien géré, on a bien géré, c'est cool. Bon. Ah, Pierre. Ah. Eh ben, tu vas aller aux toilettes.
Ah non, mais c'est pas grave si vous êtes fatiguées, là, vous y êtes presque, les filles. Allez, on joue encore à la poupée. Hop, hop, hop. On y est presque. Allez, mesdemoiselles. On se dépêche. Lui aussi, il est capoute. C'est bon? Il est bientôt. Allez. Non, mais j'y crois, là. Non, mais la délivrance quand ils seront enfants. Libérés! Délivrés! Je ne mentirai plus jamais! C'est ignoble. C'est ignoble. Ignoble! Bon, et vous pouvez pas faire un petit peu de console pour remonter le divertissement, là? Parce que c'est un peu craignos, hein? Ça craint du derche, comme on dit. Vas-y, joue. Va jouer, Samy. Et toi, tu rejoindras, c'est pas grave. Voilà, rejoindre. Hop, Pierre va faire la vaisselle. Allez, Zouzou, hein? Zouzou. Ils en ont foutu partout, encore, les cochonous, là. Oh, mais ça bug, non, mais c'est trop bizarre. Ça bug à moitié, c'est bizarre. Bon, Didi, t'en es où? Allez, on fait encore. Ah non, ça y est, il a la compétence 3. Allez, va jouer à la poupée, mon petit. Et vous, vous en êtes où? Alors, combien de pourcents? 58, très bien. Allez, là, vous y êtes presque, les filles. Jouez à la poupée. Je sais, t'es en colère, machin, mais c'est pas mon problème. Allez, maintenant on rush, là. Ça suffit. Ça suffit, les béquilles. On rush, on l'a dit. Ok, Didi a la compétence 2. C'est parfait. Ouais, bon, lui, il a la compétence 2, on s'en fout. Est-ce que c'est bon, vous avez... Oui, le divertissement est remonté, donc vous allez venir vous coucher, messieurs. Allez, hop, dodo. C'est marrant, parce qu'à chaque fois, je leur fais échanger de lit. Oui, c'est concept. Pierre va te coucher aussi. Allez, et on s'occupe des petits bambins. Les bambines. Les bambines. Bon, il y en a une qui a vraiment la dalle, là. C'est... Oula, brisé. Non, on va se calmer. C'est... Ils ont vraiment beaucoup la dalle. Ah, Payette, t'es au niveau 3. Écoute, Payette, t'es au niveau... Elle va s'évanouir, c'est ça? Oui, évidemment. C'était évident. Bon, viens prendre de la salade après, quand t'auras fini de t'évanouir. Non, pique pas sa colère, sale gosse. Miss Panda a très faim, bah Miss Panda va attendre d'avoir la... Mais arrête de piquer ta colère là, c'est chiant. Elle va attendre d'avoir la compétence au level 3, hein, c'est tout. En plus regarde, il reste rien. Il reste 6% quoi. Allez vas-y. Fais-le. Voilà c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Pique pas de colère, pique pas de colère, voilà, mange. Va manger. Va manger. Va manger. Va manger, va manger, va manger, va manger. Mélofé, 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 mélofé. Allez, Didi, je crois en toi. Didi, Didi. Ok, donc elle est mange, c'est bon. Didi. Mignon. Mignon, gnon, 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 gnon. Gnon, 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 gnon. C'est bon, hop. Je sens qu'on va pouvoir sortir le gâteau. Bientôt. Allez, réveille-toi. Réveille-toi, regarde, il reste rien là. Il reste 17%. 27, je sais pas compter, on s'en fout. Allez, vas-y. Oui, vas-y, Didi. Didi. C'est moche. C'est moche de faire ça, oui, sachez-le. Allez, vas-y. Vas-y. Encore. J'en pouvais plus. Bon, bah on va pouvoir les faire grandir, ces petits mouflés. Bon. Alors, Pierre, viens là. Allez, venez tous là, les sales mioches, là. Hop, 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 à la queue leu-leu. On va les faire dans l'ordre de naissance, donc c'est-à-dire d'abord Didi, après... Oh non, il est gâté. Mignon, vous refaire un gâteau. C'est nul, c'est nul, c'est nul. Bon bah dépêche-toi d'aller faire un gâteau, Pierre, parce que tes gosses sont en train de s'évanouir. Dépêche-toi, Pierre, dépêche-toi, dépêche. Il est bugué. Faudrait penser à se manier le derche quand même. Mais non, mais putain. Est-ce que... Bon, je vais déplacer la déco.
Parce qu'il met les plats dedans et moi je les vois pas. Et voilà, là c'est gâté, on a perdu de la thune, même si bon, on n'est pas en manque, vous me direz, mais c'est chiant quoi. C'est chiant. Oh là 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 là. C'est triste. Hop, ça m'a foutu au frigo. Et voilà! Allez, fais le gâteau plus vite, espèce de teuteux. Mais dépêche-toi. Mais qu'est-ce qu'il fout? Mais dépêche-toi! Pierre! Tu fais quoi là? Oh, 3 jours plus tard. C'est ainsi. Oh my god. Allez, magne-toi le tronc, magne-toi le tronc. Où est passé Payette? Payette, tu t'es évanouie quelque part? Ah oui. Ah bah, juste à côté des pots. Ça doit être sympa l'odeur, hein. Ils sont tous dégueulasses, c'est. Hein? Génial. Génialissime. Allez, vas-y. Non, alors toi, attends, attends, attends. Mais. Voilà, pause. Surtout, ne mange pas. Non! Ça suffit. Voilà. Non, tu poses cet enfant. Je t'ai pas dit de prendre l'enfant, connard! Bon, c'est pas possible ça. Donc, aider à souffler les bougies d'Herzimer, puisque c'était le premier-né. Allez, on y va. Et on se dépêche. Voilà, tu vas remettre des bougies. Donc, le gosse, il a grandi. C'est parfait. Voilà, bon, il est pitre comme je sais plus qui. Bon, très bien, il s'évanouit. C'est très bien. C'est tout à fait normal. Allez, paillettes maintenant. Allez, fais paillettes. Dépêche-toi. Dépêchez-vous le cul! Arrête de bugger le jeu! Putain, ça a annulé mon action, mais c'est pas possible. Allez! Mais qu'est-ce qu'elle fait? Oh putain. Viens là, grosse connasse. Oui, là, là, j'en ai marre, là. Et souffle ces putains de bougies. Excuse-moi, t'étais l'enfant prodige, mais là, t'es juste relou. Bon, toi, t'as la dalle. Ben, tu vas prendre les restes, tu nous fais pas chier. Voilà. Qu'est-ce qu'ils font encore? Oh putain. Oh, ça commence à me casser les couilles. Casser les couilles. C'est bon? Tu peux lui faire souffler ses bougies? Fête des récoltes. Ah oui, alors non, on s'en bat les couilles de la fête des récoltes. Oui, non, mais totalement. Fais-lui souffler ses bougies de merde là, qu'on en finisse, parce que c'est bon maintenant. Allez, hop, elle grandit, c'est bien, gna gna gna, voilà, allez, on lui met ça, on s'en fout, on va lui mettre ça, voilà, très bien. Et maintenant, on fait souffler cette pauvre Miss Panda qui attend depuis 30 ans que sa sœur daigne. Oh punaise quoi, oui, bah t'es fatiguée, bah, va te coucher, qu'est-ce que tu veux que je te dise, allez hop, va dormir. Et d'ailleurs, après, Zizi t'ira dormir aussi. Allez, on se dépêche. Qu'est-ce que... Non, non, non. Je t'ai pas dit d'aller sur le pot. Je t'ai pas dit d'aller sur le pot. Salope. Je sais même pas comment ils sont, parce que j'ai juste rushé. Du coup, vous les verrez dans le prochain épisode. C'est bon, elle a soufflé ses bougies, là. Oui, c'est bon, on va lui mettre ça, et puis ici, et ça. Non, j'ai déjà mis. Enfin, il a déjà été sorti, mais il n'y a pas longtemps. Bon, là, gna gna gna, hop, ok, très bien. Et ça, j'avais dit, voilà. Je sais pas, je mets au pif, hein. Hop, ah, insupportable. Ils sont insupportables. Et toi, bah, du coup, oui, alors tu vas aller aux toilettes, et c'est bien fait. Quelqu'un en étant en colère, je m'en bats les reins. Dépêche-toi, par contre, parce que tu vas te pisser dessus. Dépêche-toi. Dépêche-toi! Voilà, merci. Et ensuite, tu iras te pieuter. Oh là, c'est pas possible, hein? C'était compliqué quand même. Bon! Sur ce, j'espère que l'épisode vous aura plu. Moi, je vous envoie des cœurs et des paillettes. On se retrouve la semaine prochaine. Et salut!